va remettre le prix de Rome. Merci beaucoup, merci Philippe, et puis merci aux partenaires et à la mairie qui est toujours présente et qui nous aide et nous soutient dans ce projet. Donc c'est la 10e édition et j'ai l'honneur et le privilège de remplacer, si tant est qu'on puisse le faire, Philippe Péallet, qui est notre président, le président des Amis du Musée Départemental. Et notre objectif est de pouvoir valoriser évidemment les actions du musée départemental et de soutenir aussi la fête de la céramique. Et nous avons un prix, le prix des Amis du Musée, comme le disait Philippe, départemental breton, cette année, est décerné à Françoise Dufayard. Voilà, nous pouvons l'applaudir. Je ne sais pas si elle est là. Voilà. Et puis, vraiment bonne fête, bon festival. Je crois qu'elle est un bon festival ici. Et ça fait combien de temps que vous venez ici? Françoise, tournez-vous. C'est la deuxième année. Et merci à tout le monde, c'est un partenaire. Merci. C'est dans un lieu historique comme Quimper et ici sympathique et belle manifestation. Merci à tous les organisateurs et les bénévoles. C'est un grand plaisir à un grand plaisir. Merci à tous. J'étais avec Dominique Lepage et Pascal Malron et voilà, nous avons réussi à délibérer sans la présence de notre président qui est venu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc en effet, le prix des Amis du Musée Départemental Breton, c'est par rapport à l'utilisation de la céramique dans l'utilitaire. Hein, nous sommes bien sur cette voie-là qui consacre aussi le côté artistique que peut avoir une création qui nous aide dans la vie de tous les jours. Donc voilà, Madame de Troyard, vous êtes la lauréate du 3e prix qui a eu déjà beaucoup précédemment. Donc toutes nos félicitations. Vous allez recevoir également un chèque de 200 euros. Mais comme notre président a un petit souci, et c'est lui qui a chiffré, il a un petit souci pour être présent, soit on arrive à vous le donner pendant le week-end, soit on vous l'envoie. Bon, c'est symbolique de regarder que vous. Voilà, mais toutes nos félicitations et puis de toute façon, toutes nos félicitations à tous les exposants pour leur travail. Voilà. Merci.